La Française Aurore Quichenin ne sera finalement pas Miss Monde. Élue première dauphine de Miss France, la belle brune venue du Languedoc-Roussillon avait placé beaucoup d'espoir dans la compétition qui s'est déroulée ce samedi 18 novembre à Sanya en Chine. Il faut dire qu'elle comptait parmi les favorites. Sylvie Tallier, directrice du comité Miss France, avait d'ailleurs confié qu'elle croyait beaucoup en sa victoire. Pourtant, c'est bel et bien la représentante de l'Inde, Manushi Shilar, qui a remporté la grande couronne. Mais que les Français se rassurent, la belle Aurore Quichenin a malgré tout écopé d'une très bonne place. Si elle n'a pas été élue Miss Monde, la Française peut au moins se réjouir d'avoir atteint la 5e place sur 118. Si Aurore Quichenin s'est présentée au concours Miss Monde, c'est parce qu'Alicia Ely, actuelle Miss France 2017, a préféré participer à une autre compétition. En effet, la jeune femme venue de Martinique rêve de marcher dans les pas de sa prédécesseuse Iris Mittenaere, élue Miss Univers 2017. Après avoir vécu un véritable conte de fées pendant un an, cette dernière devra d'ailleurs rendre sa couronne le 26 novembre prochain. Une page qui se tourne pour la pétillante Iris Mittenaere, laquelle envisage d'ores et déjà de reprendre ses études de dentiste. Du côté de l'Hexagone, les Français, eux, éliront bientôt leur nouvelle représentante lors du concours Miss France qui se tiendra le 16 décembre prochain.